Allez, il va arriver sur le ring. Venu de Mondevert, le voilà sur le ring. C'est Siange, étalon du haras de la Haie-Neuve, qui a connu une saison importante en 2022 avec ses premiers 2 ans. Et donc, nécessairement, calendrier oblige, les premiers 3 ans cette année pour Siange, un fils de Scat Daddy, étalon exceptionnel, étalon américain, qui trace de manière remarquable en Europe avec ses fils. On pense à No Nay Never, qui a été le champion incontesté avec ses 2 ans cette année, notamment avec Blackbeard et Little Big Bear. Et donc Siange est l'un des rares fils de Scat Daddy à faire la monte en France. Et regardez ce modèle, 1m70 pour ce cheval qui pourtant n'avait rien de tardif. Il a gagné à 2 ans les Champagne Stakes sur 1400 mètres. Et c'est un groupe 2 et est ensuite placé des Dewar Stakes, qui est la finale anglo-irlandaise des 2 ans sur 1400 mètres. Magnifique cheval qui a donc commencé la monte au haras de la Haie-Neuve. Il fait la navette avec l'Argentine. Il revient d'Argentine. C'est pour ça qu'il a ce poil luisant et lustré, hein, parce qu'il a pris le soleil. Il a donné son premier gagnant en Argentine très précocement. Et des 2 ans qui avancent en France et ailleurs. On a vu ce Royal Dubai à Dubaï. Mais en France, on a aussi Winter Pudding pour Alessandro Botti, un cheval intéressant qui a gagné à Chantilly. On a Sikine pour Ludovic Gadbin, qu'on a vu dans le salon tout à l'heure. Donc voilà, quelques espoirs pour Siange, qui a donné son premier gagnant en 2023 avec Zalamo pour Fabrice Chappet. Les premiers 3 ans cette année pour le fils de Scat Daddy, grande souche américaine, puisque son frère Max Player est gagnant de groupe 1 aux États-Unis et étalon aux États-Unis. Voilà pour Siange, magnifique fils de Scat Daddy, proposé au haras de la Haie-Neuve à 3500 euros l'année de ses premiers 3 ans.